Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la Mini Cooper Cabriolet en version SEC. On va avoir un moteur de 178 chevaux et une version cabriolet. On va faire un essai complet comme d'habitude, je vous présente le tour de la voiture, je vous présente l'intérieur, ensuite on va faire tout type de route, de la ville, de l'autoroute et des petites routes parce que c'est une S, un petit moteur sympa, un échappement, vous allez voir, je vous ferai écouter, qui sonne plutôt bien. Une voiture assez sympathique, donc petite route sinueuse dans la vallée de Chevreuse et on fait un petit débrief à la fin. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est la version cabriolet. On a le toit en toile ici avec le Union Jack. Bon, je vais commencer par ça. Donc, on peut le faire à la clé. Donc, normalement, on peut décapoter directement ici à la clé. Donc, ça me baisse les fenêtres à l'avant et à l'arrière ici. Une première partie à l'avant qui s'ouvre de cette façon, qui peut faire une sorte de toit au vent. Et ensuite, si je reste appuyé normalement, non, ça va faire la même chose, je rappuie encore une fois. Et là, cette fois-ci, ça va me décapoter vraiment. Donc les montants ici qui vont venir se ranger à l'arrière, le tout qui va venir dans cette partie. Hop, et là, ça ravance un petit peu pour bien finir. Et avec le tout, ça me dit que c'est terminé. Donc, version cabriolet, elle existe en Cooper, Cooper S et John Cooper Works. Une voiture 4 places à chaque fois, à partir de 29 300 € pour la première version. On va commencer avec un 3 cylindres, 136 chevaux qui sera un 1,5 L. Aujourd'hui, on a le 2 litres, 178 chevaux, qui est donc un 4 cylindres. Et il existera la version John Cooper Works avec 231 chevaux qui sera également un 2 litres et 4 cylindres. Le 231 chevaux, il fera jusqu'à 320 Nm de couple et un 0 à 100 en 6 secondes 6, donc il sera un petit peu mieux que ça. Celle-ci, on est environ en 7 secondes 8, 8 secondes à peu près, selon les chronos. Ce qui est plutôt correct, ça a quand même du couple. C'est une voiture qui fait 1,380 tonnes. Le même poids à peu près que la version électrique qu'on a essayé juste avant. Lorsque j'ai rendu la version électrique, j'ai récupéré celle-là. Et en gros, c'est à peu près la même chose. La version électrique, c'est juste un petit peu plus instantané, mais ce n'était pas une cabriolet. Peut-être qu'ils vont faire une version électrique cabriolet, ça pourrait être fun. Et celle-ci, donc, on a à peu près les mêmes puissances. L'électrique, ça apporte ce côté pas de bruit, du couple instantané. Et là, ça apporte un petit peu de la puissance haut dans les tours. Vous allez entendre, il y a la dumb valve et le turbo qui soufflent et qui font des bruits, c'est super cool. Le bruit à l'échappement, c'est une voiture en fait très sympa et agréable à conduire. Et on verra le côté sportif. Je vous laisse découvrir ça pendant le moment sportif. C'est une voiture qui fait 3,88 m de long, 1,73 m de large et 1,41 m de haut. Comme vous pouvez le voir, on a la petite antenne qui est ici sur l'avant. Alors ce qui est marrant, c'est quand on est à l'intérieur, on la voit dépasser à cet endroit-là. Elle est disponible en 11 couleurs. Vous pourrez avoir au niveau des jantes 13 choix de jantes différentes à partir du 15 pouces jusqu'au 18 pouces. Et à l'intérieur, vous aurez le choix entre 12 sièges différents. Et ceux-là, vous allez voir, ils sont en tissu, mais ils maintiennent énormément. Au niveau définition, on va avoir la classique, qui est vraiment celle de base, la Mini Yours, la John Cooper Works, la John Cooper Works Ultimate, qui est la version 231 chevaux. Et ensuite, on va avoir deux autres finitions, qui va être la Camden et la Resolute. Ça, c'est des finitions que vous allez pouvoir choisir qui vont intégrer plus ou moins de packs avec plus ou moins d'options. Ensuite, vous pouvez avoir plein d'options de personnalisation sur cette voiture. Alors, sur l'avant, donc c'est la toute dernière version, on peut voir qu'il y a un nouveau bouclier à l'avant, une calandre ici qui est quand même très marquée et très prononcée sur cette Cooper S. Donc, on a en piano black tout le tour ici, des grosses entrées d'air ici, du plastique, du chrome. Et en fait, ça donne un avant assez agressif. Hein. La Mini, on se dit, oui, c'est une petite voiture mignonne et en vrai, elle a quand même un look très très agressif. Et alors, on a le nez qui revient ici, et ensuite il y a la calandre qui redépasse. Ça a quand même de la gueule. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus, dans cette couleur, c'est le Zesty Yellow. Elle n'est pas indifférente. Elle n'est pas très très discrète. Ici, donc, on a toujours cette fausse entrée d'air, le logo Mini, cette calandre là qui est énorme. Alors, avec le rappel du jaune ici à l'intérieur, très sympathique, capteur ici. Donc, on n'a pas de caméra 360 sur ces voitures. On a quand même la caméra de recul, mais pas de pack 360. On a les capteurs de radar ici, les entrées d'air là, là et là. Il faut quand même aller refroidir tout ça, puisqu'on a un turbo. Et vous allez entendre, comme je vous disais, qu'il souffle bien sur le côté. Donc, ça, c'est pour l'aérodynamique et aussi pour les normes de CO2. Donc,
toujours les flux d'air qui vont ressortir dans les arches de roue ici. Et j'aime bien, ça apporte un côté un petit peu plus sportif également. Sous le capot, je vais vous l'ouvrir. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les feux restent ici et lorsqu'on ouvre le capot, on peut passer les mains à travers le capot. Ça, c'est très fun. Donc sous le capot, comme je vous disais, soit un 3 cylindres 1,5 litre, soit un 2 litres avec un turbo. Aujourd'hui, donc, on a le 2 litres 178 chevaux. On aura le choix, soit la boîte manuelle 6 rapports, soit une boîte de vitesse automatique. Sur le bas de la voiture, donc, on a une partie plastique. Là, c'est peint. La lame est quand même positionnée assez haute. Normalement, vous risquez pas de frotter. J'ai pris pas mal de dodanes avec. Aucun souci. Ce qui est toujours marrant sur les mini, c'est que même en cabriolet, là, on a cette sorte de jonc ici qui fait tout le tour de la voiture qu'on retrouve là et qui ressort vraiment à cet endroit-là, qui est vraiment fait juste pour avoir cette posée ici. Sur le côté en cabriolet, ça fait du bien. Bon, là, on n'est pas au meilleur moment. Il fait pas forcément plein soleil. Bon, d'un côté, c'est pas plus mal parce que quand il fait plein soleil, il fait chaud. Heureusement qu'il y a la clim dans les voitures maintenant cabriolet. Donc, le toit qui se met vraiment sur cette partie, donc toit en toile qui se replie bien. Là, on a vraiment l'espace cabriolet avec toutes les fenêtres ouvertes. Ce qui est bien, c'est que ça donne un grand espace. Ici, on pourra ajouter un filet anti-remous, alors qu'il faut démonter, qu'il faut déplier, assembler et ensuite clipser à l'arrière. Voiture 4 places, donc c'est une 2 plus 2. On a des rétros en noir ici, comme on peut le voir, on a une sorte de biton avec toute la partie haute en noir, la partie basse en jaune et ces arches de roue ici qui sont toutes en plastique tout autour. Alors ça, sur toutes les mini, on retrouvera ça. C'est vrai que ça amène un petit côté assez sympa. Ça donne un look un petit peu plus costaud, normalement, souvent, lorsqu'on fait ça sur les voitures. Au niveau des jantes, donc on peut le voir là aujourd'hui, on a du 17 pouces. On aura le choix de, est-ce que vous avez bien suivi, 13 paires de jantes. Les freins à disque à l'avant et à l'arrière. Nouveauté ici, c'est cette sorte de prise d'air à cet endroit-là avec le rappel S et le répétiteur de clignotant ici. L'avantage des cabriolets, c'est qu'on peut monter un petit peu à la façon film américain avec une main ici et quand on est doué, hop, et on vient se glisser dans la voiture. Bon, ça c'est juste pour frimer. On peut le faire aussi façon normale. Alors, sur l'arrière, première chose qui, moi, me marque, c'est ces feux ici, donc très joli, du full LED, donc avec le rappel d'une jack, comme on peut retrouver sur la capote. La capote aussi, comme on peut le voir, elle remonte assez haut, ça fait presque un aileron ici. Pour la visibilité, lorsqu'on est à l'intérieur avec le rétro central, en fait, comme il est juste à peine positionné plus haut, s'il y a des petites voitures ou des choses derrière, ça va être difficile de les voir à cause de cette capote. Le troisième feu stop qui est intégré. Ici, rappel noir mini, la caméra de recul, quasiment tout est peint sauf quelques petites parties plastiques ici. L'échappement ici qui peut être en noir maintenant en piano black, qui rappellerait un petit peu les trucs à l'avant, plus cette partie-là. C'est vrai que ça ferait très joli des échappements aussi full noir, avec cette couleur qui contrasterait bien. On n'a pas forcément de diffuseur particulier ici, les radars de parking et le rappel Cooper S de ce côté-là. Le coffre, alors, il s'ouvre de cette façon. Donc, comme vous pouvez le voir, l'ouverture de coffre, c'est juste ça, c'est pas vraiment énorme. Bon, ça, c'est marqué 80 kg max. Ok, moi je fais 75 et ça marche. C'est tenu par des câbles ici, qui sont bien tendus là. On entend. Donc là, pour aller mettre des choses dans le coffre, ça va pas être forcément pratique. On a 160 litres dans cette configuration-là, avec le toit replié. Lorsque le toit est refermé, je vais vous le refermer. Allez, on rabat tout ça. Comme vous pouvez le voir, là, on voit bien le Union Jack. On a une vraie vitre en verre ici à l'arrière, c'est pas du plexi. La partie avant se referme et attention, on est bon. Donc, je rouvre le coffre ici. Là, à l'intérieur, j'ai une petite partie qui va faire en sorte de préserver l'espace à cet endroit-là. Donc ça, je vais pouvoir l'emmener. C'est une sorte de petite plage arrière. Chose très particulière que je n'avais jamais vue, c'est le Easy Load. Donc, j'ai deux manettes ici que je vais tirer. Hop, qui vont me permettre de remonter cette partie pour charger quelque chose d'un peu plus large. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est contraignant comme ça, mais ils ont pensé au fait que ça pourrait redescendre
et se bloquer ici. Donc là, ça me laisse un accès un petit peu plus grand. Alors c'est pareil ensuite, il faudra relever cette partie-là, cette mini plage arrière qui nous permettra d'avoir un petit peu plus de chargement. On passe de 160 litres à 215 litres lorsqu'on soulève ça. On peut aller jusqu'à 661 litres lorsqu'on va rabattre les sièges de cette façon. Hop, on a de quoi rabattre les sièges directement d'ici. Juste à pousser. Hop. Ah, là, j'ai pas de chance, la ceinture s'est coincée avec. Et voilà. Bon, c'est un petit peu de boulot. Est-ce que vous pensez que ça rentre là-dedans? Je vous connais, hein. Pas le plus pratique ici, hein. Bon, on pourrait y mettre un enfant. Ah, bon, je vous avoue, je ne sais pas comment je vais ressortir. J'aurais dû travailler dans un bureau. Ah. Bon, en gros, on part en week-end ou à faire des petites courses, mais si vous avez une grande famille, que vous faites vos courses, c'est pas la voiture idéale. Et pour refermer, hop, je relève ça. Je remets ça de cette façon. Hop. Ensuite, je rebloque. Je retire ça. Je retire ça. Et je referme. Ouh, c'est du boulot, hein. Bon, les places arrière, je vais vous le faire comme si c'est moi qui conduisais. Hop, alors. Là, je suis un peu trop avancé. Là, je suis pas mal. Allez, hop. Donc, je tire seulement le dossier sans bouger. L'avant, alors normalement, ça se replie plus en tirant ici. C'est juste pour ne pas avoir à bouger le siège et que ça reste dans la bonne orientation. Hop. Donc moi je fais 1m80. Alors, je vous avoue qu'on est un petit peu serré à cause de cette grosse partie là sur le côté qui va intégrer tout le système de motorisation. Donc ça on ne l'a pas dans une Cooper de base, donc on a un petit peu plus d'espace aux épaules. C'est une vraie 4 places, donc on a 2 places de chaque côté, toujours le porte-gobelet là, plus des rangements sur les côtés. L'arrière est très droit par contre, comme on a un petit coffre et il fallait maximiser, plus de quoi mettre la toile. Alors je suis très très droit. Avec le toit, il me reste encore au moins ça au-dessus de la tête. Donc ça c'est l'avantage, c'est qu'on a de l'espace. On a plus d'espace dans la cabriolet à l'arrière que dans la mini normale. Donc même en mettant très droit, ma tête ne touche pas là-haut. Au final ici, j'ai très peu de place pour les jambes, pour les pieds. Les pieds ils sont en dessous du siège et ils glissent juste un tout petit peu en dessous. Alors moi je conduis avec le siège le plus bas. Bon, en vrai, on peut faire un petit peu de chemin, mais je vous avoue que traverser la France, faire un Paris-Marseille comme ça, serait peut-être un petit peu long. Et si vous êtes à deux, ici, comme vous pouvez voir, il y a des accroches, c'est pour le filet anti-remous. Donc en gros, c'est plutôt une voiture à deux personnes ou pour sortir à quatre, mais pas forcément pour faire un très très long trajet. On a quand même deux fixations ISOFIX et Top Taser ici à l'arrière. Lorsque je retire d'ici avec le petit câble, vous voyez, ça me laisse beaucoup plus de facilité. C'est pareil, pour entrer et sortir de la voiture dans un cabriolet, c'est quand même bien plus pratique. Pendant que j'y pense, ici dans la version 178 chevaux ou 231, on mettra 44 litres d'essence. Dans les versions avec le petit moteur, le 3 cylindres, on mettra 40 litres d'essence. Je vous refais une petite présentation de l'intérieur. Donc les portes, comme en habitude chez Mini, donc quasiment tout en plastique un petit peu partout. Du laquier ici. Du bandeau LED à cet endroit-là, on trouvera du LED au niveau du pédalier et là-haut, le pédalier ressemble à ça. On a toujours des pédales assez sympas, assez cool, avec un design très très cool et le pivot en bas. Le petit rappel ici, Mini Cooper S, très joli. Ces sièges, je vous les montre tout de suite, donc, comme vous pouvez voir, cuir et tissu. Alors là on voit, hein, ils remontent énormément, on dirait vraiment des sièges très très sportifs. On ne bougera pas en latéral dans cette voiture. Les petits appuis-tête à rond, pareil, à l'arrière, ils se ressemblent. On a un petit peu le côté. On a l'ouverture des fenêtres arrière, des fenêtres avant, les rétros et verrouillage du véhicule un petit peu plus haut avec la poignée qui s'ouvre comme ça. Les sièges ici, aujourd'hui, sont hop, 100% manuel et on peut régler ça derrière les genoux. Ça, c'est plutôt pratique. Allez, je vous emmène ici à bord. Alors, le volant ressemble à ça. Je vais venir fermer la porte, c'est toujours plus joli. Le volant ressemble à ça. Voilà la vue qu'on a lorsqu'on est conducteur. Je vais vous démarrer la voiture. Un écran ici. Un écran ici.
Quand on peut voir, on peut sélectionner les modes qu'on veut. Alors, la dernière fois, c'est Turbo qui l'avait et le blog auto. Moi, je n'ai pas personnalisé, mais ça retourne ici avec mon téléphone. Comme vous pouvez le voir, ça a lancé tout de suite. L'Apple CarPlay, alors ça, c'est vraiment cool. L'Apple CarPlay, lorsqu'on a le téléphone dans la poche, pas besoin de le connecter. Regardez, mon fil n'est pas connecté. Le Apple CarPlay sans fil, c'est un gros, gros plus. J'avais pas d'Apple avant, il y a quelques semaines. Et je vous avoue que rien que pour ça, c'est quand même vraiment cool. Un écran ici qui nous donne les informations de base. Un compte tour ici avec une vraie aiguille cachée derrière. La jauge d'essence. Le kilométrage, la vitesse de la voiture qu'on aura à cet endroit-là lorsqu'elle sera démarrée. Quelques infos en haut, la température, combien il me reste d'essence, l'heure, le kilométrage, ma moyenne. Alors là, je me suis amusé un petit peu sur la fin. Vous verrez pendant l'essai qu'on est bien en dessous des 6 litres 8 lorsqu'on conduit de manière plutôt calme. Le volant, volant en cuir sur la gauche, ce sera régulateur limiteur de vitesse avec régulateur adaptatif. Attention, comme on a une boîte manuelle aujourd'hui, on n'aura pas toutes les fonctions. Vous verrez ça dans l'essai. À droite, pour gérer le son. Ici, changer de radio, commande vocale, décrocher au téléphone. Un volant simple. Derrière, on a... Très bien, j'ai activé la commande vocale. Oula, je lui ai rien demandé à Madame S-I-R-I. Clignotant, appel de phare, changer les infos avec le BC et mettre ici les pleins phares automatiques lorsqu'on est de nuit. Sur la gauche, on a ici les modes pour les feux avec le mode automatique, feu de croisement, veilleuse, régler la hauteur des feux et le réglage du tableau de bord et l'antibrouillard juste ici. Un aérateur là, là-bas, symétrique et symétrique ici. Tout est symétrique dans cette voiture. Ça, c'est plutôt sympa avec le gros cadran ici. Donc, je vous montrerai. Donc, lorsqu'on l'allume, alors il faut démarrer la voiture pour avoir ces options. Sur la droite, ce sera les essuie-glaces. Donc, pas d'essuie-glaces à l'arrière sur un cabriolet. Cet écran qui est tactile ici. Donc, je peux toucher de cette façon. Je peux éteindre ou rallumer de cette façon. Je peux choisir mes modes de radio avec les modes ici. Présélectionner des choses. Et donc là, et revenir ensuite à ma voiture lorsque je touche sur Mini ici. Sur Mini, j'ai mes raccourcis médias comme Nav, Mini et App. C'est quelque chose que je vais pouvoir retrouver juste ici. Donc sur les touches qu'on aura avec le joystick, pareil, je pourrais jouer avec la roulette de gauche à droite, de haut en bas et cliquer de cette façon. Hop, je peux retourner comme ça également. On a la radio DAB. Radio DAB, ça commence à être de plus en plus partout en France. C'est plutôt cool, c'est la radio de qualité. Ça, c'est obligatoire depuis quelques temps. On a le GPS également. Je peux avoir le GPS de la Mini. Ou comme je vous disais, Android Auto, Apple CarPlay. Moi, je préfère utiliser Maps ou Waze. On a un calendrier. Il me semble qu'on a aussi la météo. Voilà, par exemple, à Draveil. La météo qu'il fait aujourd'hui. Quelle météo il fera demain, samedi, dimanche. C'est plutôt cool d'avoir des petites apps comme ça, surtout quand on a un cabriolet. Savoir si on va décapoter ou pas ce week-end. Les warnings, les aides qui nous entourent, franchissement de ligne, alerte de collision, etc. Le bloc clim à cet endroit-là, donc on a du bizone, un mode auto également, savoir où est-ce qu'on veut se faire ventiler. Moi j'aime bien les pieds et là, je peux avoir le chauffage ici, les sièges chauffants sur trois positions pour moi et pour mon passager. Les réglages de clim ici, l'air conditionné, est-ce qu'on veut ou pas, des givrages. Ensuite, ça, c'est les bip-bip de parking, activés ou désactivés. Donc, quand je clique dessus, ça me désactive de cette façon ou ça m'éteint. Le start and stop, le bouton pour démarrer la voiture, désactiver le SP et choisir les modes que je veux. Green, donc de cette façon, mid ou sport. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis une vraie mini cabriolet à cet endroit-là. Et je vois ma petite mini qui arrive. Très sympa, j'aime bien. C'est les petits détails qui font que j'aime bien. Un petit peu plus bas, la prise 12 volts qui va se situer là-haut. Deux ports USB, un USB type A, un USB type C. Donc j'ai connecté mon câble. En gros, ça va juste pour être rechargé parce qu'au final, comme j'ai le sans fil, le CarPlay sans fil, c'est top. Deux portes gobelets ici, la boîte de vitesse manuelle. Donc hop, comme vous pouvez voir, un tout petit débattement. C'est plutôt pratique. Et vous allez voir, puisque j'ai fait l'essai juste avant. Alors moi, ce qui me gênait, c'est quand j'étais en troisième, moi j'ai l'habitude de bien forcer comme ça pour retourner en deuxième. Et en fait, il ne faut pas trop forcer pour aller à la deuxième, parce que quand on y va vite comme ça, eh ben, j'arrivais souvent à passer là ici en marche arrière. En fait, quand il y a l'impulsion, la coup, en fait, si je fais ça, bah, en fait, je suis trop loin et je n'irai pas à la deuxième. C'est
le petit point négatif que je trouverais à cette voiture est par exemple que là il faille pas appuyer, par exemple c'est juste, en fait c'est, faut juste forcer un petit peu. Et quand on a une conduite vraiment très sportive, on peut être un petit peu plus brut, bah, ça m'a un petit peu embêté. Bon, le frein à main ici, si vous voulez tirer le frein à main, faire des dérapages, la commande ici pour cet écran là-bas, la couloir ici qui est assez imposant, que je peux remonter ou pas à cet endroit là. Ah, il y a des gens qui ont laissé des tickets de carte bleue. Et bah dis donc, un endroit pour le téléphone juste ici. Donc hop, je peux mettre mon téléphone, comme ça il sera calé à cet endroit-là. Hop là, désolé pour les notes de frais, vos papiers sont là. Et les sièges. Une imitation un petit peu carbone, quand on regarde de loin on dirait du carbone, mais en fait c'est juste des petits points peints ici. Là-haut, on a de quoi ouvrir et fermer la capote grâce à ce gros bouton, l'éclairage ici, les lumières, et comme vous pouvez voir ici, il y a une LED là qu'on peut personnaliser. Le bouton SOS, les pare-soleil, avec des mini-miroirs. Waouh ! Ah ouais, c'est tout petit-petit. Hein. Et comme je vous le disais, cette antenne ici, qui dépasse à cet endroit-là. Alors ça, c'est rigolo. Dans les rétros, la rétrovision est plutôt correcte. Alors de ce côté-là, c'est un petit peu bombé sur le coin. Pas de l'autre côté, ça c'est un petit peu dommage. On n'a pas l'avertissement d'angle mort. Et puis sinon, on est quand même plutôt bien dans cette voiture. Hein. Regardez, on en profite, c'est cool. Et... Ah. Bon allez, on va l'essayer, c'est parti. Bon allez, c'est parti avec cette Cooper S cabriolet. On va commencer avec le toit fermé en ville et après, comme d'habitude, hein, petite route. Comme c'est une S, petite route sympa qui zigzague, voir un petit peu le châssis, ce que ça donne en dynamique. Allez. C'est parti. Donc on démarre. Rare de nos jours, une boîte manuelle. Donc boîte 6 manuelle. Hop, j'ai mon Apple CarPlay ici. En sans fil en plus, regardez, j'ai le téléphone juste ici. Impeccable. Je vais le ranger là d'ailleurs. Hop, ce sera plus pratique. Donc pour la ville, j'ai cet accoudoir ici. Le frein à main encore. Donc sur cette version-là, en manuel. Et c'est parti. J'ai plus l'habitude de conduire des boîtes manuelles. Voilà. Les sièges, le maintien est juste dingue en fait dans ces sièges de S. L'embrayage est assez dur comparé à beaucoup des voitures de nos jours. On sent bien que ça verrouille à chaque fois qu'on passe un rapport ici. Donc on a plusieurs modes comme je vous disais. Là on commence en mid. Donc mid, ça va être le mode dans lequel la voiture va démarrer la plupart du temps. Ensuite, il va y avoir le mode green et le mode sport. Le mode sport, on va l'utiliser tout à l'heure sur la petite route, peut-être un petit bout en ville, parce que ça amène quand même une sonorité un petit peu plus sympa. Avec une petite voiture, ça se faufile un peu partout. Il y a des mini partout, c'est hallucinant. Je faisais pas attention avant, mais c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup des mini. Bon, quand on roule pas dans les tours, en ville, en mode mid, c'est agréable, ça fait pas beaucoup de bruit. Alors forcément, on va avoir plus de bruit que dans une voiture totalement fermée, parce que le toit en toile, ça sonorise forcément moins bien que du métal et de la mousse, etc. Mais à 50, là en ville, je suis un peu en dessous des demi-tours, là je passe la 5e, 1500 tours. Ça roule, comme on a un moteur qui est quand même plutôt coupleux, on n'a pas forcément d'aller besoin haut dans les tours. Hop. En rétrograde, on a un petit peu de frein moteur. Alors ça, c'est ce qui manque beaucoup aux voitures de nos jours, c'est le frein moteur, parce qu'avec le downsizing, il y a de moins en moins de frein moteur sur les voitures. Ou des camions pizza, ça me donnerait bien envie de m'arrêter presque. On aura également le start and stop. Oh, une vieille Lincoln limousine. Hop. Alors, donc là, je suis en mode mid. Si je passe en green, je sens qu'à l'accélérateur, en mode green, il se passe beaucoup moins de choses. La voiture est beaucoup moins réactive, donc ça met plus de temps. Le mode green, comme son nom l'indique, ça va être pour faire du vert. Faire du vert, c'est clairement faire des économies de carburant. On peut l'utiliser au quotidien. Le mode green, ça roule tranquille.
ça le fait. Mode sport. Avec la même pression sur l'accélérateur, la voiture a accéléré un petit peu plus. Et on a un bruit tout de suite. Il y a le rev matching. J'ai un activé en plus. Hein. Ça va être rigolo ça. Dans les petits virages tout à l'heure, ça va être rigolo, je sens. Donc, on a une sonorité bien, bien plus sympa. Alors, écoutez un petit peu. Ah ouais, si. Non, si, ça devient sympa. Ça devient rigolo. Bon, autre chose assez cool, c'est que on peut décapoter en roulant. Mais on peut, si l'on souhaite, faire que la première partie avant. Donc, comme une sorte de tout ouvrant. Allez, en mode sport, vous faites profiter un petit peu du son. C'est très sympa. Par contre, wow, la coupe de cheveux que ça me fait, ça par contre. Alors, l'air vient juste ici rentrer, vous avez vu. Ça, c'est marrant. Alors, j'adore, on entend vraiment le turbo souffler. Très, très rigolo. Bon, par contre, la coupe. Aïe, 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 aïe. Elle m'a vu ça. C'est sympa. Alors, je viens juste de rendre la Cooper électrique s'accélérer plus fort puisque ça met plus de couple instantanément. Là, ça met un petit peu de temps. On sent que ça souffle bien. Mais c'est vrai que la Cooper électrique avait plus d'instantanéité. Par contre, là, on a quand même plus de plaisir. On entend le turbo souffler. Enfin, je sais pas si vous l'entendrez. Et après, on sent que ça monte dans les tours. Et c'est vrai que ça devient sympa. Bon, ça reste quand même bien plus agréable. Bon, il faut être jusqu'à 30 km/h pour décapoter en roulant. Allez, on va le faire quand même. Donc là, on a toute la partie arrière qui se soulève et qui s'enlève. Et voilà, c'est fait. Et là, beaucoup plus profiter de cette sonorité. Alors je vais refermer mes fenêtres quand même. Donc ça m'a pas refermé les fenêtres arrière, ça je peux le faire également si je veux avec le deuxième bouton pour avoir un petit peu moins. Et encore je peux mettre un filet anti-remous. Vous voyez par exemple là je préfère largement parce que l'air tout à l'heure rentrait juste comme ça alors que là bah voilà ça me remue pas le haut du crâne. Donc je préfère largement décapoter à 100%. Bon, je vous avoue que je crois que le mode sport c'est le mode que je vais plus utiliser aujourd'hui. On a une direction qui est pas très très assistée en fait. On sent qu'on a quand même de la fermeté dans la direction. Ça c'est agréable. Par contre on sent que la voiture elle prend un petit peu de roulis. Même en mode sport parce qu'on n'a pas de suspension pilotée. On va voir ce que ça donne tout à l'heure sur les petites routes vraiment en dynamique. Et je peux repasser aussi en mode mid ou en mode green. Et là, j'ai plus le rev matching, donc l'ajustement automatique du régime. Et là, à ce moment-là, on a une voiture qui est quand même déjà beaucoup, beaucoup plus calme et agréable. Là, on peut vraiment l'utiliser au quotidien. Et à ce moment-là, on n'entend plus du tout la voiture. J'ai les conseils quand passer mes rapports. C'est beaucoup plus agréable. Et là, je peux rouler au quotidien. Je suis plus discret, malgré cette couleur un petit peu jaune fluo, qui va faire qu'on me remarque un petit peu. Et là, regardez, il n'y a pas trop de bruit. Il fait beau, il y a du soleil. Quel plaisir. Bon, la boîte manuelle, on a un petit débattement, ça c'est agréable. Comme je vous dis, ça verrouille très très bien. Donc, quand je passe mes rapports, je sais que le rapport est bien enclenché. On sent vraiment le verrouillage. Même quand je tombe les rapports, petit débattement. En fait, je pense qu'en conduite sportive, elle doit être très très sympa. En fait, on peut vraiment jouer avec ce levier. L'embrayage, on s'y fait. Donc, comme je disais, il n'est pas trop mou. Alors, il y a des voitures, l'autre fois, j'ai essayé une Peugeot. J'ai l'impression d'appuyer sur un chamallow. Et là, j'aime bien, puisqu'on a quand même une pédale assez ferme. On sait ce qu'on va faire avec notre pied gauche. En même temps, ça permet de muscler un petit peu cette jambe-là aussi. Allez, start and stop, il redémarre rapidement, c'est efficace. En mode green, vraiment la voiture est hyper silencieuse, hein. C'est hallucinant.
On va repasser en mode sport. C'est fou la différence. J'adore. J'adore. Bon, 170, je suis chaud. Ça permet de doubler avec de l'aisance. Allez, en dynamique, bon, on suit un scénic. On va passer sur les petites routes. Donc là, on est à 70. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent qui vient vers vous, que vous m'entendez bien. Allez, en étant à 70, c'est agréable. J'ai pas le filet anti-remous. J'ai le vent nécessaire pour que ce soit plaisant dans l'habitacle. C'est pas trop. Je sens que le vent monte quand même assez loin derrière et qu'il va surtout se balader sur cette partie-là. Le filet anti-remous va bloquer encore un petit peu plus, ou sinon, bah comme vous avez vu, on peut refermer le toit et avoir que la partie avant d'ouverte. Si je me mets à 80, hop, je passe la 6, 80. Très légère différence, je sens un petit peu de vent qui se balade à cet endroit-là. Sinon, moi, dans mon cocon ici, je suis plutôt bien. Je peux jouer avec mon pommeau. Il y a le rev matching à chaque fois. Allez, petit rond-point, on va se faire le petit test dynamique du rond-point comme on aime bien le faire. Là, on est sur un petit rond-point un petit peu dégradé. Ça tient plutôt bien la route. Et madame, allez, ça tient plutôt bien la route. On a une voiture traction. Hop, et quand je sors du rond-point, ça relance de façon assez dynamique. On a l'ESP qui se dit tout de suite, oulala, qui s'affole un petit peu. On va essayer de le déconnecter après, tout à l'heure aussi. On va vraiment se faire du sportif. Mais c'est agréable. On va vraiment apprécier, s'amuser surtout avec la sonorité du moteur. Avec les petits... Et un petit peu la sonorité quand même, l'échappement. Ça reste très plaisant. Au niveau de la pédale de frein, on a un freinage qui a l'air plutôt bon. On a une pédale qui est assez dure. Et le châssis a l'air quand même plutôt sympathique. Hein. Hein, ouais, c'est sympa. Hein. Alors, là on va se faire une petite succession de virages. Je vais laisser la voiture en mode mid et voir ce que ça donne. Donc en mode tranquille parce que on n'est pas toujours des fous furieux du volant. On peut rouler aussi de façon tranquille. La direction est plutôt précise. On sent que c'est assez réactif. La voiture prend peu de roulis. On prend donc juste un petit peu au tout début et ensuite elle reste appuyée. Ça a l'air bien. Donc là on roule de façon normale, à un rythme correct. Le scénic est moins pressé que nous. Allez, décapotage. On se remet un petit coup. Donc comme je disais, à chaque fois c'est la partie avant qui commence ici. Je rappuie une deuxième fois. Ça me baisse toutes les fenêtres. Les petits oiseaux et tout. C'est quand même plus cool. Alors peut-être une chose qui peut être gênante, c'est comme vous pouvez le voir, la capote reste positionnée assez haute au niveau du coffre, donc ça entache pas mal la visibilité qu'on a dans le rétroviseur central. Il faudra limite se remonter un petit peu où on verra le haut des autres voitures. Si vous avez des voitures assez basses, vous n'allez pas du tout les voir dans le rétroviseur. Bon allez, mode sport, la voiture redémarre et c'est reparti. Donc cette fois-ci en mode un petit peu plus dynamique. Refermer les fenêtres pour pas que ce soit trop gênant. Donc on peut jouer avec la boîte. Alors c'est une traction, on n'a pas d'autobloquant là-dessus. En fait ça roule tout seul. C'est bluffant. Alors c'est pas hyper vif, mais on sent qu'on a quand même du couple. Ça relance bien. On a un bon freinage. C'est marrant, juste en restant en deux, je m'amuse.
automatique. J'essaye de remettre la 2, c'est embêtant, ça essaye de retourner en R. Alors moi j'ai l'habitude de bien emmener à gauche mon levier et retirer, et en fait quand je fais 3-2, et ben, si je pousse un peu trop, je vais essayer de retourner en R. Ça par contre c'est pas terrible. Et l'accélère. Ouais, ça pousse quand même pas mal. Hein. Vous connaissez la chaîne, toujours un petit 0 à 100. En boîte manuelle, c'est plus folklore. Allez. Ça fonctionne pas trop mal. 70, 80, 90. Ah. En fond de 2, on arrive à 100. Tout au fond, à la limite du rupteur, à 6000 tours minute. Ça marche plutôt pas mal. Hein. La 2 est assez longue, hein, comme on peut le voir. On a une voiture qui est agréable. Hein. Souvirer un poil, alors ce qui est normal, hein, c'est une traction, mais on peut quand même prendre un bon rythme dans les ronds-points, une bonne accroche. Si on appuie un peu sur les freins, on va emmener l'arrière. Allez, vous voyez un petit peu et... Oh, c'est plaisant. Allez, un gros freinage. Ça ressemble.
forcément, on entend un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Cabriolet, c'est l'habitude qu'on va avoir. Quand on a un coupé cabriolet, donc c'est quand on a le toit dur, des fois c'est un petit peu plus insonorisé, mais c'est toujours un peu plus sonore. Il n'y a que dans la voiture très très haut de gamme où c'est bien bien feutré, on entend beaucoup moins ce qui se passe dehors. Mais là, on a un cabriolet simple et ça me dérange pas parce que je sais que j'ai l'habitude de rouler en cabriolet et c'est le petit charme de ce genre de voiture. À 110, je me régule mon régulateur automatique à 110. Donc là, on passe à 110. Allez, on accélère. Je suis en mode green. J'ai quand même du répondant sous la pédale. Lorsque je mets un petit peu de contrainte, on entend un petit peu le moteur. Et c'est pas ultra bruyant non plus. Il y a un régime stabilisé. Là, je suis à 2500 tours à 110 km/h. Bah, le moteur, je l'entends plus. J'entends plus ce qui va se passer dehors. Une petite Dungeon Cooper Works. Fait un petit bruit sympa. Mais j'ai plus de 100. Ça va, c'est agréable. Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de bruit du vent. Et au final, comme la voiture est assez carrée, je sais pas comment ils font, mais ça reste plutôt modéré. Ça souffle un petit peu aujourd'hui en plus. Franchement, ça va. Et si je passe en mode sport, j'ai la sonorité tout de suite plus sympa du moteur. Et voilà, ça devient tout de suite plus agréable. Vraiment, donc il va falloir changer les vitesses, ça va le faire jusqu'à un certain seuil. Par contre, la voiture ne va pas aller jusqu'à l'arrêt, malheureusement, lorsqu'on a une boîte de vitesse manuelle. Donc là aussi est l'avantage des boîtes automatiques. C'est, imaginons que là par exemple ça ralentit un petit peu, j'accélère. La voiture, elle ralentit d'elle-même à ce moment-là. Donc là je touche à rien. Par contre, bah, là, il faut tomber un rapport. Donc je mets la 2. Elle est OK pour que je mette la 2, donc elle continue. Par contre, voilà, je suis à 20 km/h, elle me dit là, à vous de reprendre la main. Alors qu'avec une boîte automatique, elle serait allée jusqu'à l'arrêt dans les bouchons, ça aurait été un avantage. Donc j'avoue que la boîte automatique est quand même plus plaisante, surtout si vous habitez dans une région où il y a beaucoup de bouchons. Après, tout dépend si vous préférez ce plaisir de conduire en manuel ou pas. Allez, on passe dans un tunnel. Donc là, tunnel, quand il y a des camions ou grosses motos, ça va forcément faire du bruit. Par contre, là, je peux vous montrer. Donc, selon les modes qu'on va utiliser, l'éclairage qui va pouvoir changer. Donc là par exemple on est un petit peu en jaune, on peut le personnaliser. Lorsque je passe en sport, ça va passer rouge par exemple. Ensuite quand je vais jouer avec la clim, ça va jouer ici sur l'écran à cet endroit là. L'allumer, si je mets plus froid, plus chaud également. Donc on a l'éclairage là, deux petites LED sur le haut ici et dans les portes, c'est virgule, et tout le long du tableau de bord ici. Dans les tunnels, ça fait un petit bruit sympa quand même. Écoutez, bon, il y a un petit peu de bruit là, mais donc, je pense que vous l'entendrez pas énormément. Mais la sonorité, elle pousse un petit peu à rouler un peu plus vite. Bon, depuis tout à l'heure, je roule vraiment en mode tranquille et j'ai une moyenne. Alors, hop, quand je suis en green, ça me le passe, ça me met une jauge green. J'ai une moyenne à 5 hits 7. Donc en ayant réinitialisé, en étant parti après hein, du 78, parce que sinon j'avais une moyenne à 9,9 et encore 9,9, ça restait vraiment correct en s'étant abusé un petit peu. Donc là 5,7, c'est très très correct. Et le dernier petit tour en ville avec le petit test d'Odan. On sent que la voiture est quand même ferme. Ça reste ferme, mais en même temps elle est rigide. Pour un cabriolet, ça c'est bien que la voiture soit un minimum rigide.
mais on sent que sur le début de la suspension, ça reste quand même un peu filtré. Mais il y a des moments où je suis passé sur des plaques, ça secouait quand même pas mal. Et je le vois aussi à la GoPro qui bouge énormément. Alors si vous entendez des petits clac clac clac, c'est parce que la GoPro bouge pas mal aussi dans cette voiture. Ça aussi, ça prouve un petit peu la fermeté. Bon, et j'avoue qu'en ville, des fois, je vais quand même aimer me remettre mon petit mode sport et même juste ouvrir un petit peu la fenêtre et vraiment la petite décharge, la dump, ça c'est quand même vraiment kiffant. Allez, test rayon de braquage. Hop, on braque à fond. C'est une mini, donc c'est censé quand même plutôt bien braquer. Hop, et ça passe. En fait, on a juste envie de s'amuser un petit peu en 1 et 2, avec des petits coups comme ça. Et la moyenne, après avoir fait une grosse balade là, toujours 5,7 litres. Donc plutôt correct. Hein. Bien sûr, les 5,7 litres, c'est pas en étant resté en mode sport. C'était en étant en mid ou en green, avec une conduite plutôt coulée. Bon alors, cette Mini Cooper S cabriolet, qu'est-ce qu'on peut en penser ? Bon, tu es très discrète, hein. J'ai beaucoup aimé en profiter. Il a fait une météo correcte, sans trop de soleil, mais j'en ai profité un petit peu. J'aime bien la sonorité, le moteur, l'agrément moteur, les différents modes, la consommation quand on roule vraiment cool, très basse. J'ai beaucoup aimé les petits bruits de turbo et autres, c'est assez agréable, on a vraiment l'impression d'avoir une voiture plus sportive. La puissance, c'est suffisant. En fait, ça va dépendre de ce que vous voulez. Si vous voulez une voiture vraiment sportive, il faudra vraiment se tourner vers les John Cooper Works. Si vous voulez une voiture plaisante avec du répondant moteur, ça, c'est le bon compromis en fait entre consommation, plaisir, look, parce que la S, elle a quand même un look assez spécifique. En fait, c'est un bon compromis d'un petit peu tout. C'est pas trop sportif, mais c'est pas trop confortable, c'est pas trop soft. C'est pour moi un bon mixte. La couleur, j'ai bien aimé. Le design, j'aime beaucoup. On a de la place intérieure. La boîte manuelle, maintenant que je suis habitué énormément aux boîtes automatiques, j'avoue que j'aurais bien aimé une boîte automatique en fait, même si on a ce plaisir quand même de passer les rapports. Mais voilà, pour 2-3 petits trucs en conduite vraiment sportive, voilà. Même si un truc vraiment cool, c'était le rev matching, donc en gros le talon pointe automatique, ça c'était vraiment quelque chose de top, je ne m'attendais pas à l'avoir du tout là-dessus. Sur cette voiture, on a un vrai plaisir de conduite, quand on est à bord c'est sympa, elle a un bon capital sympathie en plus dans cette couleur. Au niveau des remous, lorsqu'on est à l'intérieur, c'était vraiment correct avec les fenêtres fermées. Sinon, effectivement, ça bouge un petit peu plus. On peut rajouter le fil anti-remous. Je vous avoue que je l'ai mis juste pour essayer. Mais en vrai, je l'ai enlevé parce que je ne trouvais pas ça joli et pas ça forcément très pratique. Donc, je l'ai laissé à l'arrière. Petit point négatif pour moi, c'est la capote. Donc, on voit peu dans le rétroviseur central. Donc, il faudra bien surveiller ces deux rétros sur les côtés. Mais sinon, c'est une voiture très, très sympa. Une petite voiture plaisir, en tout cas. Ça ne donne qu'une seule envie. Aller se balader sur la côte dans le sud en cabriolet. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez un petit pouce bleu comme ça, comme d'habitude, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines autos. Ciao.